Africa French speaking community. Et ça qui a été battu tout la carte à Birmingham. Oh y'a papa Jacques. Et ça qui a été battu tout la carte à Birmingham. Et ça le problème est bénéfique. Et ça le problème en Dam. Et ça le problème à Mukanda. Africa French speaking community. Et ça qui a été depuis nous m'a parlé. Et ça qui a été depuis nous m'a comme y'a nini y'a bénéfique. Et ça qui a été depuis nous m'a comme bilo Rwanda. Et ça qui a été depuis nous m'a comme nous surtout il a mis Kanda d'intention mon bimba. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'Afrique, French speaking community. Il y a Papa Jacques, na Birmingham. Il y a beaucoup de gens qui sont Facebook. Il y a UKSA TV. Il y a Facebook. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de administration est beaucoup. La Birmingham. Regardez bonsoir, chers internautes. Bonsoir vous tous qui êtes branchés sur UKFC TV ou qui êtes branchés sur notre page Facebook African French Speaking Community Support. Nous émettons à partir de Birmingham, ici au Royaume-Uni, principalement pour la communauté francophone d'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'un des nôtres, mais qui n'est pas ici avec nous. Mais d'emblée, je voudrais présenter les excuses de la présentatrice, Bibiche Kiala, qui ne se sent vraiment pas bien et qui n'a pas été à mesure de vous honorer ce soir. C'est ainsi que moi-même, Jacques Martin Sukubanza, je prends la relève pour la présentation de cette émission. Et nous continuons toujours avec notre thème de Together for our planet, donc ensemble pour notre planète Terre, ensemble pour la protection de notre planète, comment nous devons protéger notre environnement, comment nous devons faire pour arriver à réduire les émissions de gaz carbonique. C'est un peu trop scientifique, ces thèmes liés à l'environnement ou aux émissions de gaz carbonique. C'est vraiment trop compliqué, trop scientifique. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel aux experts, aux gens qui ont quand même consacré du temps pour étudier différents aspects liés à l'environnement pour que nous qui sommes un peu au niveau de la base, nous puissions comprendre ce que nous devons faire pour protéger notre environnement. C'est un problème qui concerne tout le monde, non seulement les grandes entreprises, les gouvernements ou je ne sais pas qui, mais tout le monde est concerné par ces sujets sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, avant même d'introduire notre invité, c'est dans le cadre de financement de la loterie, donc National Community Fund, que nous sommes en train de mener cette campagne sur la protection de notre planète. Et je reçois pour vous, monsieur ou l'ingénieur Guy Chungu. J'aimerais l'inviter à se présenter à nous tous et à tous les internautes qui sont en train de nous suivre. Mais avant qu'ils ne prennent la parole, veuillez partager cette émission avec les autres, partager, inviter les gens, veuillez vous abonner, car nous parlons de ce qui est vraiment essentiel pour notre vie, car tout ce dont nous parlons donne aussi des opportunités, surtout à la jeunesse, pour comprendre comment diriger, orienter leurs études et devenir important dans la société. À vous la parole, M. Guy Chungu.
Bonsoir, Monsieur Jacques, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Donc, c'est un grand plaisir de participer à cette émission, surtout que ça cadre avec l'environnement. Et il y a de cela un mois, nous avons assisté à la COP26, le sommet mondial sur l'environnement. En fait, je m'appelle Guy Chungu Lama. Je suis chef de travaux à l'Université de Goma au département de géologie. Et je suis en fait détenteur d'un master en Mining Environmental Management de l'Université d'Exeter. Et donc, je finis récemment et présentement, je suis au Congo, à Goma. Et c'est pour moi vraiment un honneur d'avoir été appelé à parler sur ce thème, notamment la transition énergétique, la protection de l'environnement. Quelles sont les opportunités et les défis en fait que la transition énergétique fait face. Donc c'est un grand plaisir et je remercie énormément les organisateurs pour cette opportunité. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci. Les téléspectateurs peuvent se rendre compte que tu es vraiment du domaine. Donc, nous essayons de cibler les nôtres qui ont de la connaissance pour partager avec tout le monde. Et j'aimerais prévenir nos téléspectateurs que monsieur l'ingénieur Guy Chungu se trouve à Goma. Il peut y avoir des difficultés, des connexions. Nous connaissons tous comment la connexion se comporte chez nous au pays. Donc, nous voudrions bien être patients. Si jamais il y a un problème, c'est mieux que nous soyons tous avertis, puisque s'il y a un problème, ça pourrait venir de son côté, mais il est vraiment bien disposé pour nous entretenir sur ces sujets. Si vous pouvez bien commencer la présentation. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Et donc, je suis en train de vouloir partager. Je ne sais pas si les téléspectateurs voient déjà le document, PPT. Sinon, si pas, vous pouvez en fait m'aider à pouvoir partager votre côté parce que j'ai quelques petites difficultés ici. Donc, j'ai quelques petites difficultés, mais sinon, nous allons parler de la transition énergétique. Et donc, dans cette présentation, nous aurons en fait à nous atteler sur 5 points, c'est-à-dire ces 5 points que nous allons en fait parler aujourd'hui par une petite introduction. Et après l'introduction, nous allons essayer un peu de définir c'est quoi la transition énergétique. Et nous irons au troisième point, il s'agira en fait de l'énergie ainsi que le climat, donc le secteur d'énergie et comment ça affecte le climat. Et en quatrième lieu, nous parlerons des opportunités, puis des défis. Et en dernier lieu, nous aurons à conclure sur notre présentation. Et donc, le concept, en fait, je ne sais pas si vous l'appréciez, je me fais comprendre. Déjà lancé la présentation. Je ne sais pas si tu peux bouger pour commencer à faire défiler l'écran. L'écran, ouais. Oui. Et donc, là-bas, Oui. donc ça va d'abord? Oui, ça va. Vas-y. Oui, en fait, donc le contenu de la présentation, nous allons commencer par l'introduction, une petite introduction, et nous allons en fait voir au deuxième point comment l'énergie peut affecter, le secteur d'énergie affecte le climat. En troisième lieu, nous allons voir les opportunités de cette transition énergétique. Et en quatrième lieu, nous aurons à parler des principaux défis, des quelques défis permanent. Et puis en dernier lieu, nous aurons à faire une petite conclusion. Donc, nous allons essayer un peu de parler de façon très simple pour que chacun puisse comprendre, non pas des termes trop techniques, de sorte que chacun puisse comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on attend par la transition énergétique? Donc, la transition énergétique, en fait, c'est un thème qui est apparu
dans les lexiques, c'est vers les années 1970. Et ça désigne en fait une certaine modification structurelle profonde des modes de production et de consommation de l'énergie. C'est-à-dire, il s'est observé que le monde, ou bien le pays, en fait, arrivait à consommer énormément d'énergie et que cela contribuait d'une façon ou d'une autre au changement climatique, c'est-à-dire aux effets de changement climatique. Et de ces faits, il fallait qu'on puisse adopter une certaine attitude, une certaine nouvelle attitude, une certaine démarche qui permettrait à ce que l'on puisse réduire la production des énergies et on puisse aussi, c'est un peu de rationaliser la consommation de l'énergie pour le service de l'homme. Donc, ce qu'il faut savoir, que cette transition énergétique, elle vise en quelque sorte les remplacements de l'utilisation des combustibles fossiles, qui sont entre autres les pétroles, les charbons et les gaz, afin d'adopter des énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies renouvelables. Et quand on parle des énergies renouvelables, ce sont ces énergies telles que l'éolienne, telles que l'énergie solaire, telles que l'hydroélectricité, telles que la biomasse. Ce sont ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Et en faisant cette transition énergétique, on est en train de répondre. On est en train de répondre, on est en train de travailler dur pour atteindre l'objectif numéro 7 des Sustainable Development Goals. Donc, la transition énergétique en soi, c'est une transition non pas seulement comportementale. Pourquoi? Parce que nous devons arriver dans nos comportements, dans notre quotidien, à pouvoir adopter une attitude qui permettra à ce que nous ne consommions pas autant d'énergie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'efficience énergétique, mais aussi c'est une transition sociotechnique parce qu'elle vise les sociétés et aussi il y a des aspects techniques parce qu'elle vise en fait les nouveaux outils qu'on utilisera pour atteindre cette fin. Et donc, ce qu'il faut savoir de cette transition énergétique, c'est que selon les rapports de plusieurs experts, il s'est observé que l'utilisation des énergies fossiles cause des problèmes à l'environnement, notamment ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Donc, il y a la production du CO2 qui est en fait qui contribue en fait à détériorer la couche d'ozone et à faire à ce qui est des conséquences sur la planète Terre. Et ce qui est plus surprenant, c'est parce que les États, au lieu d'investir massivement dans les énergies renouvelables, malheureusement, les États continue à investir grandement dans les énergies fossiles. C'est ainsi que vous verrez, par exemple, que tout le monde actuellement, toutes ces grandes nations s'intéressent à pouvoir acquérir des nouveaux puits pétroliers dans des pays en voie de développement ou bien dans les golfs. Et ça, ce n'est pas normal parce que dans cette perspective, on aura en fait des blocages pour atteindre l'objectif numéro 7, qui est d'avoir en fait un environnement sain. Et à partir de la consommation efficiente de l'énergie dans nos foyers. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie en soi, la forme d'énergie que nous utilisons, que les hommes utilisent, c'est souvent dans les transports, c'est souvent en fait dans le foyer, c'est souvent aussi dans les industries, parce que nous avons un certain nombre d'industries et les industries en fait ont besoin d'énergie. Donc, la consommation de l'énergie, comme vous le savez, c'est inévitable dans la vie de l'homme. On ne peut pas se passer de l'énergie, pas toujours se recourir à l'énergie. Déjà, dans les milieux reculés, par exemple ici au Congo, dans les milieux dans nos villages, vous verrez que de la façon dont nos parents, bien nos grands-parents, ceux qui vivent au village, recourent à l'énergie, c'est plus particulièrement en coupant les bois. C'est-à-dire que la vie quotidienne des populations dépend de l'utilisation de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous allons parler du deuxième point, qui est en fait l'énergie et le climat. Comment la consommation de l'énergie peut en quelque sorte impacter sur notre climat? Et je crois après cette partie, nous allons demander aux téléspectateurs s'ils ont une ou des questions, afin que nous puissions en quelque sorte répondre. Donc, comme je l'ai dit, la consommation de l'énergie, elle est en quelque sorte inévitable dans la vie quotidienne de l'homme. Et il faut savoir, malheureusement, que seulement 10% de la population mondiale a actuellement accès à l'électricité.
Donc, vous trouvez qu'il y a encore un gap, il y a encore une nécessité de pouvoir, une grande partie des populations qui n'a pas en fait accès à l'électricité. Si vous arrivez par exemple au Congo, vous verrez que c'est peu de gens qui ont accès à l'électricité. Donc, et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'usage même de cette électricité, il y a beaucoup on peut l'utiliser, il est utilisé en fait dans l'énergie utilisée dans les transports, dans la construction, comme je l'ai dit, dans les chauffages. Par exemple, en Europe, actuellement, c'est l'hiver. Et dans nos maisons, les maisons en Europe ont besoin en fait de chauffage, et mais aussi dans les industries. En fait, la consommation de l'énergie, ça reste la principale source de l'émission de gaz à effet de serre. On parle d'environ 37,2 gigatonnes de CO2, soit 76%, qui sont produits suite à l'utilisation massive des énergies, notamment le pétrole, le charbon et les gaz. Donc, il faut savoir que l'électricité et le chauffage, en ce qui concerne l'utilisation domestique, sont aussi les plus grandes, génèrent le plus d'émissions aussi des CO2, soit environ 31,9%. Et ce qui est vraiment qui est mauvais, c'est que il y a une certaine augmentation à partir de dans les 30 années, 30 dernières années, il y a une certaine augmentation de 78%. Donc vous trouvez que il y a en fait c'est un problème. Et les besoins d'énergie, malheureusement, ne cessent d'augmenter. Pourquoi? Parce que la démographie elle-même, elle augmente. Vous allez voir, par exemple, le cas prenons l'exemple de la RDC. Donc, il y a de cela 10 ans, la population est estimée à 80 millions. Mais aujourd'hui, on parle de 100 millions de Congolais. Donc, vous trouvez qu'il y a une certaine augmentation de la population. Et donc, la population mondiale, il y a de cela, vers les années 1900, était d'environ 2 milliards. Mais aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards, c'est-à-dire 7 milliards de personnes. Et plus il y a des personnes, plus il y aura les besoins en énergie, plus on aura besoin de l'énergie pour nos besoins quotidiens. Maintenant, quels sont ces pays-là, en fait, qui consomment le plus d'énergie dans le monde? Les pays qui consomment le plus d'énergie, principalement, c'est la Chine. Et vous savez, comme tout le monde le sait, c'est la Chine, c'est le pays qui a la plus grande population. Soit c'est la plus grande population du monde, on trouve en Chine. Et donc, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a l'Inde, il y a le Japon et il y a l'Allemagne. Donc, ce sont les pays qui constituent. Et donc, ce sont ces pays en fait qui causent beaucoup de peine en fonction de leur consommation excessive en énergie. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des pays aussi qui jouent un grand rôle actuellement. C'est-à-dire, ce sont des pays qui jouent un grand rôle dans le financement des énergies renouvelables. Bien qu'ils produisent autant de tonnes, ce sont des pays en fait qui aussi jouent un grand rôle dans le financement d'énergies renouvelables. Donc, vous verrez par exemple dans les graphiques, le graphique suivant, ça c'est pour le cas de la Chine. La Chine utilise 54% de son énergie provient du charbon. Donc, et pour les énergies renouvelables, c'est moins de 20% en fait qui provient des énergies renouvelables. Donc ça, c'est un grand problème. Et il faut savoir que depuis les années 1850, il y a eu une certaine augmentation de 40% des CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est un grand problème. Ce qui fait que la température moyenne de la Terre a grandement progressé.
la température moyenne de la Terre a profondément progressé et a atteint environ 0,8%. Et si on continue à ce rythme vers 2100, nous aurons un accroissement de température d'environ 5,1%. Ce qui fera, c'est que certains êtres pourront, il y aura une extinction de certains êtres, il y aura des catastrophes, il y aura des fléaux dans la Terre, parce que une augmentation de plus d'un. Donc, là où les États se sont engagés à travailler dur pour réduire en fait le problème de changement climatique. Allô, je me fais comprendre? Oui, malgré les interruptions, mais sinon ça évolue bien. Si tu peux rétablir les PowerPoints, comme ça tu continues avant que je ne puisse poser des questions. Oui, donc je suis en train de rétablir. Une minute. Donc, comprenez-moi, en fait, c'est la connexion du pays, malheureusement. Et donc, je disais en fait que les grandes nations qui contribuent, c'est la Chine dans la production de la consommation de l'énergie. Nous avons la Chine, nous avons les États-Unis, nous avons l'Inde, nous avons l'Allemagne. Et donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que depuis, comme je le disais, depuis le 19e siècle, c'est qu'il y a eu en fait une certaine augmentation des quantités d'émissions en CO2. Et ce qui n'est pas, c'est très inquiétant parce que depuis le début du 19e siècle, il y a une certaine augmentation de 0,8 degrés Celsius. Et ça, si nous continuons et que nous ne faisons absolument rien, d'ici 2100, nous aurons affaire à une température qui sera augmentée de 5,3 degrés Celsius. C'est-à-dire, si par exemple à Londres, la température moyenne est de 20 degrés, c'est-à-dire nous aurons une température moyenne de 25,3 degrés, ce qui constituera en fait, il y aura beaucoup de conséquences parce qu'il y aura la fonte des glaciers, il y aura l'augmentation des eaux, des inondations et toutes ces choses qui auront en fait des impacts sur la vie de l'homme. C'est pour cette raison, à partir de la conférence qui a eu lieu en 2015, les États se sont réunis et ont adopté un certain nombre de recommandations, un certain nombre d'attitudes à prendre. Et parmi les recommandations, parmi en fait les décisions qui ont été prises, c'était d'investir dans les énergies en fait renouvelables. C'est ainsi que vous verrez, par exemple, au cours de l'année 2020, l'année qui vient de qui s'est écoulée en fait l'année passée, c'était constitue l'année où il y a eu plus de volonté dans le financement des énergies renouvelables. Et vous verrez que, il y a à peu près 500 milliards de dollars qui ont été engagés en 2020 dans les énergies renouvelables. Et ce sont pas seulement dans les énergies renouvelables, mais aussi vous avez dans les transports électriques. Là, quand on parle des transports électriques, ce sont les voitures électriques. Il y a aussi ce qu'on appelle les stockages de l'énergie, il y a le stockage du carbone et ainsi de suite. Et ça montre en fait que il y a une certaine prise de conscience de la part des États pour que nous puissions préserver notre environnement, parce que nous n'avons pas un autre endroit où vivre. Si les choses bâclent, nous n'aurons pas où aller vivre. Donc nous sommes obligés de pouvoir protéger l'environnement. Mais là, quelles sont les conséquences de cette transition énergétique, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de cette utilisation abusive de l'énergie ou bien de cette consommation et production des énergies fossiles. Il y a plusieurs conséquences, comme vous le savez déjà. Donc, vous avez par exemple le dérèglement météorologique. Vous allez observer aujourd'hui que la sécheresse prend de l'ampleur partout. Il y a presque partout, il y a le phénomène de sécheresse. Par exemple, en Afrique, en Asie, c'est la sécheresse. Les déserts du Sahara qui augmentent, vous verrez en fait presque tous les pays en fait sont frappés par la sécheresse.
Si vous allez au Sahel, par exemple, vous trouverez qu'il y a la sécheresse qui est là. Ça, ce sont des conséquences multiples qui sont des changements climatiques, lesquels changements climatiques sont produits en grande partie par l'utilisation des énergies fossiles. Et donc, il y a, si vous voyez, par exemple, récemment aux États-Unis, dans les Kentucky, il y a eu en fait beaucoup, il y a des cyclones qui ont eu lieu là-bas. Et donc, c'est un fait qui prouve que le climat est en train de souffrir. Il y a aussi, par exemple, l'acidification et l'élévation des niveaux des océans. Il s'est observé que dans les siècles, donc dans les 100 dernières années, il y a eu une augmentation de 18 cm du niveau de la mer. Et si ça continue dans les 100 prochaines années, dans les 5, nous aurons en fait une augmentation de 1 mètre. Et quand il y a l'augmentation de l'eau, ça fait ce qu'il y a beaucoup d'inondations et ce qui n'est pas aussi une bonne chose. Il y a plusieurs effets négatifs qui sont, ou bien plusieurs conséquences sur la biodiversité. Par exemple, vous allez vous rendre compte que suite à la raréfaction des ressources, beaucoup d'animaux en fait disparaissent. C'est tout ce qu'on appelle les animaux endémiques. C'est en train de disparaître. Et ça, ce sont des effets du changement climatique. Il y a ce qu'on appelle des effets sur l'homme. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de maladies, en fait, telles que le choléra dans des pays en voie de développement. Si vous allez en Asie du Sud-Est ou vous allez en Afrique, vous verrez qu'il y a la multiplication d'un certain nombre de maladies qui sont en fait liées aux perturbations climatiques. Mais aussi, il y a un principal facteur aussi, c'est-à-dire les conflits. Récemment, il y a certains pays qui ont pensé, par exemple, que suite à la sécheresse du lac Tchad, il fallait par exemple qu'on puisse prendre les eaux de l'Ubangi, du fleuve Congo, pour aller canaliser et remplir le lac Tchad. Et donc, prochainement, en fait, dans les années qui viennent, il y aura plusieurs de ces conflits. C'est-à-dire, les États voudront en fait soit chercher des terres arables, soit chercher des ressources en eau, et les ressources en eau qui sont devenues en fait déficitaires. Et ça, c'est dû au changement climatique. Il y a un grand problème aussi actuellement, ce sont des migrations. On se rend compte que d'ici 2050, il y aura à peu près, d'ici 2050, il y aura à peu près 250 millions de réfugiés climatiques. Donc, pourquoi? Parce que beaucoup commencent à fuir les endroits. Vous allez voir, par exemple, dans des régions qui sont frappées par la sécheresse, les gens fuient pour aller chercher de l'endroit où vivre. S'ils ont par exemple des vaches, s'ils ont des chèvres, ainsi de suite, ils fuient pour venir dans des pays où vous avez des terres, où vous avez en fait la forêt qui est florissante. Donc ça, c'est un grand problème qui est parmi, en fait, qui constitue parmi les conséquences des réchauffements climatiques. Donc, en ce qui concerne ces deux points que nous avons pu évoquer, il faut savoir que la transition écologique, la transition énergétique, c'est un processus qui permet à ce que les pays puissent laisser les énergies fossiles, notamment les pétroles, les gaz et les charbons, pour adopter des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, qui sont en fait l'éolienne, l'énergie solaire, l'hydroélectricité et même la biomasse. Et afin de pouvoir protéger l'environnement, afin de pouvoir lutter contre les changements climatiques, parce que ça, c'est un grand problème auquel fait face actuellement la planète Terre. Je ne sais pas si Papa Jacques a quelques questions qu'on peut en fait répondre en fonction de ces deux points que nous avons évoqués. Oui, Monsieur Guy, tu es vraiment un lecture, comme on dit en anglais, donc un professeur qui est en train d'enseigner. Donc, c'est ça même le but de cette émission, rendre un peu la science accessible à tout le monde. Aujourd'hui, nombreux qui sont en train de nous suivre vont comprendre cette transition de l'énergie, comment ça s'est fait, et puis les explications ont été vraiment très, très claires. Et nous voudrions que tout le monde soit en mesure de comprendre comment chacun peut réduire les émissions, puisque tu l'as très bien souligné que c'est à cause de l'utilisation, par exemple, à notre niveau ici en Europe, l'utilisation de l'électricité, l'utilisation du gaz. Donc, tout ça contribue au réchauffement climatique. Tout ce que nous utilisons comme moyen de transport, on utilise
ce qui provient des énergies fossiles, c'est-à-dire que le pétrole, le gazole, les gaz, tout ça, plus nous consommons, plus aussi les producteurs vont continuer à produire. Et s'ils continuent à produire grâce aux combustibles fossiles, ce problème de changement climatique ne sera pas résolu. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons transiter vers les énergies renouvelables. Mais la question, c'est juste un peu d'éclaircissement sur qu'est-ce que l'effet des serres, si les gens peuvent avoir une bonne explication sur les effets des serres. Et au même moment, si tu arrives à supprimer la présentation de ces côtés-là, je peux présenter de mon côté. Ça va, merci. Donc, je crois que j'ai déjà supprimé la présentation apparaît toujours? Non, si tu supprimes, moi je peux parvenir à présenter de mon côté. Ouais, donc j'ai déjà supprimé. Oui, c'est déjà, en fait ça disparaît, j'espère. C'est toujours là? Vas-y, continue à répondre, je vais chercher. Oui, en fait, qu'on appelle en fait les gaz à effet de serre, c'est quoi en fait? C'est à des termes simples. Vous savez que la surface, ou bien la Terre, elle est protégée par ce qu'on appelle la couche d'ozone. Et la couche d'ozone, c'est une couche en fait qui permet à ce que les rayons solaires nocifs ne puissent pas atteindre la Terre, parce qu'il y a un certain, le soleil émet en fait un certain nombre de rayons nocifs tels que les ultraviolets, les infrarouges, et qui peuvent avoir des conséquences sur la vie des êtres vivants sur Terre. La couche d'ozone, elle joue un rôle pour adoucir en fait ces rayons. Et donc, qu'est-ce qu'on attend en fait par les gaz d'effet de serre? C'est-à-dire que lorsque nous avons la production, de gaz, de CO2, une production excessive de CO2, il arrive que ces CO2 puissent trouver la couche d'ozone. Et plus les CO2 trouvent la couche d'ozone, ça fait à ce qu'un certain nombre de rayons nocifs commence à atteindre la Terre, mais aussi ça fait à ce qu'il y a un certain réchauffement au niveau même de la Terre, entre la couche d'ozone et la Terre, il y a un certain réchauffement, donc il y a l'augmentation de la température. C'est ça ce qu'on appelle en fait les gaz d'effet de serre, c'est-à-dire c'est lorsque ces gaz, en fait, le CO2 va et trouve la couche d'ozone, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est-à-dire ça fait à ce que la couche d'ozone soit perturbée. Il y a l'arrivée des rayons nocifs sur les vies humaines, les vies animales. Et il y a aussi une certaine augmentation de la température ambiante. Et plus il y a l'augmentation de la température ambiante, cela traduit en fait un certain changement même du mode de vie de la population. Donc ça, c'est un des termes plus simples. C'est ce qu'on attend par les gaz à effet de serre. Ce sont des gaz qui arrivent, qui vont contribuer à la destruction de l'ozone. C'est parmi, entre autres, le méthane, vous avez en fait certains sulfures, et vous avez aussi des gaz tels que le CO2 qui arrivent à détruire cette couche d'ozone. Allô? Oui, vraiment, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je pense que les internautes ont bien suivi. Et je vous laisse le temps de poursuivre la présentation et je reviendrai encore pour quelques questions après la deuxième partie. Oui, donc je ne sais pas si vous pouvez m'aider à défiler le PPT de là-bas. Oui. Maintenant, nous allons commencer avec sur les énergies propres. Qu'est-ce qu'on attend par là? Donc, ces énergies propres, c'est un autre. Peut-être les premiers slides. Oui, les énergies propres, c'est ce qu'on appelle en anglais les clean energy. C'est sans doute thème les énergies renouvelables. Mais là, quelles sont les différentes opportunités que ces énergies propres amènent? Ou bien quelles sont les opportunités qui viennent avec ces énergies renouvelables? Vous avez en fait ce qu'on appelle la première opportunité, c'est que ces énergies permettent à ce qu'il y ait une certaine réduction des émissions du CO2. Et
ça fait en sorte que nous puissions avoir une certaine réduction, non pas seulement des émissions de CO2, mais une réduction aussi de la dépendance aux énergies fossiles. Comme vous le savez, comme vous l'avez même évoqué, il y a les véhicules, les trains, cela a besoin des énergies fossiles. Mais avec ces énergies, il y a une certaine, il y a une réduction de la dépendance à ces énergies. Mais aussi, ils constituent en fait une opportunité parce que ça permet en fait une certaine réduction des risques économiques liés aux pénuries d'énergie, voire à une crise énergétique. Dans les années 1970, il y avait ce qu'on a appelé en fait la crise du pétrole. La crise du pétrole, et comme vous le savez aussi, dans l'histoire même, dans l'histoire de la Terre, dans l'histoire récente, il y a des moments où il y a une certaine raréfaction de produits pétroliers, mais il y a des moments aussi, il y a une certaine montée, une certaine flambée des prix du pétrole. Ça fait assez que l'humanité puisse subir les chocs. Donc, par contre, ici, nous aurons une certaine réduction. Ces énergies renouvelables offrent une opportunité de réduire ces risques économiques, des risques qui sont liés à des chocs, par exemple, à des chocs dus à la rareté ou bien à la diminution du pétrole, qui peut bien dire à certains États. Il peut arriver que certains des États décident, pour des raisons géopolitiques, de bloquer leur production. À supposer, par exemple, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite dit: moi, je ne produis plus, ou bien j'arrête ma production de pétrole. Il y aura un choc, il y aura un grand choc dans l'économie mondiale. Mais avec les énergies renouvelables, c'est une opportunité pour réduire cette dépendance ou bien cette réduction des risques économiques. Mais aussi, il y a une sorte d'opportunité, ce sont les avantages économiques. Donc, ce sont des avantages économiques. C'est ce qu'on appelle actuellement la green economy. Donc, avec ces énergies renouvelables, ça permet à ce que les populations puissent s'approvisionner en énergie moins coûteuse, c'est-à-dire les prix, mais aussi à long terme. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, vous verrez en Afrique, il y a des programmes dans le cadre des solaires. Vous verrez que tout le monde a la possibilité d'avoir un petit panneau solaire pour son éclairage. Donc, ça fait en sorte qu'il puisse avoir un certain avantage pour l'approvisionnement, contrairement à l'énergie de combustible fossile. Il y a aussi un aspect très important de ces énergies propres. C'est en fait une certaine croissance de l'économie mondiale. Donc, il y a croissance de l'économie mondiale dans la prochaine décennie. Si on s'investit massivement, si le monde s'investit massivement dans ces énergies renouvelables, il y aura une certaine croissance. Et cette croissance s'accompagnera de la création de l'emploi, parce que nous aurons en fait beaucoup d'emplois qui seront créés. On estime environ 122 millions d'emplois qui seront créés dans la décennie, et dont 43 millions uniquement dans les énergies renouvelables. Donc, c'est un secteur qui est prometteur, c'est un secteur qui permettra qu'il y ait une certaine augmentation de la croissance. Et quand il y a l'augmentation de la croissance dans des pays, ça permet à ce que nous puissions avoir une certaine création de l'emploi. Ça permet à ce qu'il y ait en fait l'augmentation du PIB. Donc, la plupart des nations vont voir leur PIB augmenter, et c'est ce qui est très important. C'est parmi les opportunités. Je ne sais pas si vous pouvez défiler l'autre slide. Et dans le slide qui suit, vous verrez que c'est juste, on montre combien de l'emploi seront créés d'ici la décennie, si en fait on se donne aux énergies renouvelables. Vous voyez, donc le renewable energy, il y a autant d'emplois par million de dollars qui seront créés. Et donc, il y a l'autre opportunité, c'est le développement, dans le slide qui suit, c'est le développement d'une chaîne de valeur. Donc, c'est d'une chaîne de valeur des batteries, des véhicules électriques. Actuellement, tout le monde parle des véhicules électriques. Et donc, je crois même en Angleterre, quand j'étais là, on disait que d'ici 2030, il n'y aura plus des voitures diesel ou bien des voitures à essence dans le Royaume-Uni. Donc, pourquoi? Parce que c'est une nouvelle donnée qui est là. Et donc, ce sont les voitures électriques qui seront là. Et ça fera à ce qu'il y ait
qu'on puisse avoir aussi des nouvelles chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques ou en minerais critiques. Vous savez, pour faire des batteries, pour qu'on puisse faire des batteries ou bien pour qu'on puisse faire des panneaux, nous avons besoin, il y a, pour les panneaux, par exemple, il y a le besoin de terres rares, parce que les terres rares sont utilisées, mais il y a pour les voitures électriques, il y a le lithium, il y a le cobalt. Avec Elon Musk, Tesla, c'est principalement des batteries à base de lithium. Donc, vous verrez, c'est une certaine, il y a des nouvelles chaînes d'approvisionnement qui vont se créer. C'est-à-dire, les minéraux qui étaient négligés dans les temps passés auront une certaine valeur. Et ça va s'accompagner des effets bénéfiques ou bien des effets positifs dans les économies des pays qui détiennent ces ressources. Par exemple, le Congo qui détient les réserves en cobalt va voir si une fois, donc va voir en quelque sorte, doit profiter de cette transition énergétique parce que c'est nous qui fournissons au monde 60% ou 50% de la production mondiale du cobalt vient de chez nous. Et donc, normalement, logiquement, cela devait se faire suivre d'un développement à la base. D'un développement à la base, c'est ainsi que, par exemple, les autorités, bon, ils pensent comment profiter de ça. Il y a même récemment un forum qui était à Kinshasa où on pense déjà comment on va profiter de cette nouvelle chaîne d'approvisionnement, de cette chaîne de valeur. Parce que, par exemple, le coût d'installer une usine aux États-Unis, ça coûte en fait 3 fois plus que si on installait la même usine au Katanga, là où on produit du cobalt. Donc, vous voyez déjà que c'est un domaine qui est en quelque sorte intéressant. Et ceci fait à ce que beaucoup de compagnies, comme vous l'allez voir dans le graphique, beaucoup de compagnies déjà se sont déjà fixé des objectifs. C'est-à-dire, d'ici un certain nombre d'années, par exemple Volvo, Ford, Fiat, Mercedes, déjà d'ici 2030, ils doivent adopter déjà dans l'ensemble les voitures électriques. Parce que c'est des nouveaux business, en fait, qui est là. Je ne sais pas si on peut continuer. Donc, il y a aussi une autre opportunité. C'est une opportunité, en fait, de lutter contre les tensions. Comme on l'a dit, en fait, le fait qu'il y ait des conséquences sur le changement climatique, cela génère des conflits. Des conflits qui sont liés au dérèglement climatique. Et même aussi la précarité, c'est-à-dire il y a certains pays qui ont des difficultés à avoir accès à l'électricité. Et donc, avec ces énergies renouvelables, particulièrement les solaires, par exemple, ça fera à ce que toutes les nations, même les nations qui sont moins développées, qui sont en voie de développement, peuvent avoir la chance de pouvoir avoir accès à l'énergie. Donc, c'est ce qui c'est une grande opportunité pour les nations. Parce que ça ne demandera pas beaucoup d'argent, d'investir beaucoup d'argent, et ça fera ce que la plupart de la population dans les communautés puisse avoir accès à cette énergie, l'énergie qui est verte. Et donc, en dernier lieu, l'opportunité aussi qui est là, c'est le développement durable. Donc, il y aura le développement durable avec l'énergie, la transition énergétique. Donc, lorsque nous allons migrer à 100% vers les énergies renouvelables, les experts pensent qu'il y aura un certain développement durable, un développement qui sera socialement juste, c'est-à-dire il y aura question de justice, ce ne sera pas seulement les nations qui sont développées qui auront 100% d'énergie, mais même les nations qui sont faibles pourront avoir accès à l'énergie, mais aussi économiquement viable, c'est-à-dire des conditions économiques seront créées pour toutes les nations. Et aussi, ça permettra à ce que nous puissions préserver notre environnement. Donc, vous voyez que c'est un certain nombre d'opportunités. Il y a plein d'opportunités qui viennent. Moi, je n'ai que cité quelques-unes des opportunités avec les énergies vertes. Et donc, là, vous voyez dans ce graphique, c'est cette augmentation. Donc, c'est cette augmentation à partir des années 2001. Vous voyez qu'il y a une certaine augmentation de la consommation ou bien une certaine augmentation de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire de la tension d'énergie renouvelable, bien une certaine augmentation de la tension soutenue aux énergies renouvelables, ce qui est une bonne chose et ce qui contribuera à ce que nous puissions atteindre d'ici 2050 les net zéro carbone. Donc, nous puissions avoir les niveaux zéro d'utilisation de carbone
si nous comme aussi de pays ça donne à pouvoir opter pour les énergies renouvelables. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelques questions aussi. Oui, la première question, c'est de savoir, est-ce que le jeune, les enfants, bon, voire même les parents, est-ce que nous sommes conscients de toutes ces opportunités que peuvent offrir les énergies renouvelables en termes d'investissement, en termes d'études, en termes de toutes les chances qui peuvent s'offrir pour que surtout les jeunes puissent s'épanouir dans ce domaine-là? Oui, en fait, ça, c'est un grand, c'est parmi les points importants que nos familles, nos enfants, toutes, nous devons savoir, parce que c'est les énergies, en fait, la transition énergétique, ça ne concerne pas que les pays. Donc, parce que beaucoup de gens se limitent à dire que ça concerne les pays, mais ça concerne les grandes multinationales telles que Tesla et les autres, et ça ne nous concerne pas. Non, ça concerne tout le monde. Et donc, c'est pour cette raison, par exemple, il faudrait déjà réfléchir comment envoyer nos enfants à pouvoir faire des filières qui vont avec cette transition énergétique. Parce que le monde de l'emploi qui vient dans les années qui suivent sera principalement lié à la quatrième révolution industrielle, mais une quatrième révolution industrielle qui est attachée, qui va de pair avec la transition énergétique. Donc, il faudrait en fait que dans nos familles, partout où nous sommes, que nous puissions déjà essayer un peu d'envoyer, non pas seulement l'éducation, dans le domaine de l'éducation, que nous puissions envoyer nos enfants à pouvoir opter des filières qui permettent à ce qu'ils puissent apprendre sur l'énergie renouvelable. C'est par exemple l'ingénierie. Il y a l'ingénierie qui est adaptée au changement climatique, mais il y a aussi, par exemple, l'économie, les filières des sciences sociales. Mais qui sont adaptés principalement à cette transition écologique. C'est pourquoi vous verrez, par exemple, en France, à partir des années 2014-2013, ils ont opté ce qu'on a appelé, ils ont mis en place ce qu'on appelle des instituts de transition énergétique. Donc, déjà pour préparer à ce qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée dans ce sens. Mais aussi, en ce qui concerne la transition énergétique, donc, étant donné que je dis que ça dépend d'un comportement, d'un nouveau comportement adopté, donc, nous devons déjà réfléchir comment nous approprier cela. Et nous approprier cela, ça va, c'est dans quel sens? C'est-à-dire, par exemple, si nous avions, par exemple, des voitures diesel à la maison, nous devons déjà les jeter et penser à acquérir de voitures électriques. Si nous utilisions autant d'énergie dans nos maisons, nous devons essayer un peu de revoir comment réduire donc l'efficience énergétique en réduisant la consommation. En prenant une attitude positive qui permet de réduire la consommation. Mais aussi, si nous avons, par exemple, beaucoup d'argent, nous pouvons nous lancer dans ce secteur. C'est un secteur qui est prometteur. Par exemple, comme je vais le dire dans les ministres qui suivent, c'est un secteur qui est prometteur dans la mesure où il y a, par exemple, en Afrique où on doit avoir des microcentrales d'énergie solaire. Et donc, si des gens qui ont des moyens, ils peuvent investir. Et alimenter. Tellement, par exemple, au Congo, par exemple, il y a la libéralisation du secteur d'énergie. Ils peuvent venir et investir dans ce domaine. Ils investissent dans ce domaine. Ils alimentent, en fait, ils alimentent en énergie les communautés rurales ou les communautés dans les villes. Et ça peut se faire. Donc, il faudrait que toute la couche de la population, il faudrait que toutes nos communautés, que nous tous, nous puissions nous lancer dans cette transition écologique. Non pas seulement à laisser cela aux dirigeants, aux décideurs, mais c'est une histoire qui nous concerne tous parce que nous tous, nous devons contribuer à la protection du climat. Merci beaucoup. C'est vraiment un appel lancé à toutes les familles, surtout au niveau de nos pays où nous vivons, des pays développés, afin que nos enfants, nous-mêmes, nos jeunes apprennent l'ingénierie, des sciences qui peuvent bien leur permettre de retourner au pays et de développer. Tu es l'exemple, tu as été ici. Tu as décroché ton titre de master et tu es en train de servir le pays. Donc, si nous voulons bien développer notre pays, c'est aussi une bonne filière que nous devons suivre. Si tu peux continuer la présentation.
Merci Merci beaucoup, Papa beaucoup. Jacques. Donc, nous allons vite parler des défis de la transition énergétique. Donc, le premier défi, en fait, c'est la démographie galopante. Donc, ça peut être une opportunité, mais aussi ça peut être un défi, parce que ça fait à ce qu'on puisse avoir l'accroissement des besoins en énergie. C'est-à-dire que cela, c'est un grand défi. Déjà, il y a la population qui accroît, et il y a le fait que nous devons laisser les énergies fossiles. Donc, il y aura en fait un besoin, il y aura en fait un certain grand besoin de combler ces vides que les énergies fossiles combler les vides qui sont créés par le fait que nous puissions abandonner les énergies fossiles. Et donc, ça, c'est un grand défi. Il y a aussi les déficits de financement. C'est ce qui concerne ici principalement les pays pauvres, comme nous qui venons des pays pauvres, ou bien dans les pays africains, ou bien les pays de l'Asie du Sud-Ouest. Donc, il y a un certain déficit de financement, pas encore autant de financement. Par exemple, si nous voulons établir une usine de construction des panneaux solaires au Congo, nous voulons établir une usine de construction des batteries au Congo, donc ça demande de l'argent. Et si nous voulons en fait construire des éoliennes, ou bien construire les barrages Dinga, prenons l'exemple du barrage Dinga, il y a des financements où on devait construire Inga 3. C'est beaucoup d'argent, donc ça demande de l'argent et il y a un certain déficit de financement. Et c'est pour cette raison, des experts ont pensé, par exemple, ils ont pensé qu'il faudrait au moins 4,4 000 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que les États investissent, les États riches et tous les États investissent pour avoir 4,4 000 milliards ou bien 4,4 trillions de dollars pour que nous puissions bien implémenter cette transition technologique, c'est-à-dire 4,4 000 milliards par an. Mais il y a aussi des défis techniques. Ça, c'est un défi là. Donc, il y a les principaux défis, c'est celui des modes de stockage de l'énergie. C'est-à-dire, souvent, ça pose encore problème qu'on puisse stocker l'énergie. Et il y a aussi la structure des centrales, les réseaux des centrales. Il y a aussi les contraintes climatiques. Par exemple, si vous avez des éoliennes, vous ne pouvez pas les placer n'importe où. Si vous avez, par exemple, le panneau solaire, les solaires, vous ne pouvez pas aussi les placer partout. Donc, il y a cette situation aussi des contraintes climatiques qui font en sorte qu'on peut ne pas avoir à implémenter ceci. C'est ainsi que certaines solutions ont été envisagées. Pour le cas, par exemple, le problème des microcentrales, le problème des centrales de stockage, il y a des microcentrales, les mini-grids. Il y a, par exemple, une société qui est active, par exemple, ici à l'Est, Tech Power Service, et tant d'autres qui se basent en fait, qui travaillent et moi je suis, en fait, je travaille dans Tech Power aussi, donc nous travaillons dans l'implantation des mini-solaires dans les milieux ruraux, des mini-réseaux dans les milieux ruraux, des mini-centrales dans les milieux ruraux, afin qu'ils aussi puissent avoir accès à l'électricité. Il y a un grand problème aussi, c'est la réticence de certains États. Vous savez, depuis la COP 21, il n'y a que 60%, 60 États qui s'étaient engagés pour atteindre les net zéro carbone d'ici 2050. Et sans oublier des États comme les États-Unis qui se sont retranchés encore avec l'avènement de Trump. Donc ça, c'est aussi un grand défi auquel les États font face. C'est-à-dire qu'il y a certains États qui sont avancés dans le processus, il y a d'autres qui résistent, il y a d'autres qui sont réticents, il y a d'autres qui sont là, surtout les États qui ont des ressources en pétrole. Vous ne voulez pas leur dire de laisser le pétrole, parce qu'il y a les pétrodollars, ça les fournit beaucoup d'argent, ça fait à ce qu'ils soient réticents. Il y a aussi d'autres conséquences, des conséquences écologiques et des empreintes environnementales. Ici, c'est très important de les mentionner, parce que pour les conséquences écologiques, par exemple, si vous avez des éoliennes que vous avez mises en place, il y a les poissons, bien il y a plutôt les oiseaux qui peuvent peuvent avoir des problèmes avec des oiseaux parce que les éoliennes tournent. Vous avez aussi pour un certain nombre de centrales qui font des bruits, par exemple. Et ça, c'est un grand problème. Pour les empreintes environnementales, ici, c'est lié principalement aux métaux, c'est-à-dire les métaux qui sont utilisés, par exemple, pour faire ces batteries ou pour faire ces panneaux. C'est-à-dire ces métaux-là, ils sont extraits. Il arrivera tellement que la demande sera grande, il arrivera peut-être qu'il y ait des problèmes environnementaux. Prenons l'exemple du lithium. Lithium, c'est utilisé batteries électriques. Et on a besoin en fait d'environ 3,3 kilos de lithium
pour constituer les véhicules électriques. Et pourtant, ce que nous devons savoir, c'est que très souvent, ce sont des gisements, nous avons affaire à des gisements qui ont en fait un faible tonnage, donc, qui ont un fort tonnage, une certaine, donc, où les minerais, il y a un faible tonnage des minerais. Et par contre, vous avez en fait beaucoup en fait des déchets en fait, qui seront produits lors de l'exploitation. Et plus il y a des déchets qui sont produits, plus ça peut causer des problèmes sur l'environnement. Je ne sais pas si on peut continuer. Notre slide. Oui, donc il y aura beaucoup de problèmes environnementaux qui sont en fait liés dans les exploitations des déchets. Et donc, ce qu'il faut savoir ici, ce sont parmi tant de défis auxquels les défis environnementaux que cette transition énergétique va venir avec. Je vais donner l'exemple des déchets miniers du cuivre et du cobalt. En 2012, il y a eu environ dans la mine de Kamoto, Kamoto Copper Company, et Glencore, il y a eu la production sur les déversements des effluents industriels dans la rivière Loulou. Et ça a causé en fait la mort d'un certain nombre de poissons. Donc vous trouvez que déjà, avec le cobalt qui est utilisé dans la fabrication des batteries électriques, il y a déjà des problèmes environnementaux. Oui, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le remarquer, il y a eu chute de connexion du côté de l'ingénieur Guy Chungu. Donc, il était en train de parler de dégâts, de conséquences de cette transition énergétique sur l'environnement et il a donné l'exemple des mines au niveau du pays, où il y avait des versements de déchets, de cobalt, je pense, sur des déchets non traités dans la rivière Loulou, ce qui a contaminé les eaux. On a également vécu la situation au niveau du pays où l'eau du côté dans les provinces de Kasaï en général, l'eau avait changé de couleur au point qu'il y a eu un grand problème sur le plan de l'environnement. Donc, les gens ne pouvaient plus boire, les gens ne pouvaient plus prendre leur bain. Les poissons étaient empoisonnés et commençaient à mourir. Donc, ça cause vraiment des dégâts incalculables. Et tout ça, c'est puisque les gens doivent changer leur mode de consommation, leur mode de production de l'énergie, c'est-à-dire que partir des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, plus particulièrement l'extraction des minéraux pour la fabrication, par exemple, des batteries électriques. Puisque d'ici après 2030, si tu es au Royaume-Uni, il n'y aura que de véhicules électriques. Donc, ce qui signifie que cette production des minéraux qui sont utilisés pour fabriquer ces batteries électriques, la production a des conséquences sur le plan environnemental. C'est aussi une autre opportunité pour nos jeunes de pouvoir étudier et d'apprendre comment traiter ces déchets, comment les récupérer, de telle sorte que ces déchets ne puissent pas causer des dégâts énormes sur l'environnement. Donc, je pense que l'ingénieur Guy a toujours des problèmes là où il se trouve. Ici, donner par exemple un exemple des déchets miniers, la production par exemple d'une tonne
de ce minerai ici produit 63 000 mètres cubes de gaz de soufre et fluor, 200 mètres cubes d'eau acide, 1,4 tonnes de déchets radioactifs. Donc, c'est très important, d'une part, que les gens puissent changer sur le plan comportemental et sur le plan socio-technique, mais également, nous devons prévoir des conséquences qui peuvent découler de cette transition énergétique. Je vois que l'ingénieur Guy Chung est en train de se battre pour établir la connexion. Donc, je lui remets la parole pour qu'il continue là où il s'était arrêté. Oui, merci beaucoup, Papa Jacques. Donc, je m'excuse donc les problèmes de connexion. Donc, oui, j'étais non. Oui. Oui, j'étais en train de dire que les problèmes, les grands problèmes aussi, que les grands défis auxquels la transition énergétique fera face, c'est surtout en ce qui concerne l'approvisionnement des métaux stratégiques. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des empreintes du point de vue environnemental. Et je l'ai évoqué par rapport aux différents produits qui sont extraits, notamment par exemple le cuivre ou bien plutôt le cobalt et les terres rares. Par exemple, les terres rares sont extraites pour pouvoir fabriquer des panneaux que nous utilisons dans les solaires. Et donc, il s'est observé que cette production de terres rares s'accompagne aussi malheureusement d'un certain des impacts environnementaux. Par exemple, vous savez que la Chine, c'est le premier pays producteur de terres rares. Actuellement, il y a 90% de la production de terres rares qui sont utilisées dans la fabrication des panneaux proviennent de la Chine. Et vous allez voir que cette production, malheureusement, s'accompagne des problèmes, s'accompagne d'un certain nombre de déchets miniers. Donc, des déchets miniers qui causent l'acid mine drainage, donc les drainages miniers acides dans les rivières, qui causent aussi en fait, des déchets radioactifs qui viennent avec ces terres rares, pour le cas des terres rares. Et ça fait à ce que ça puisse avoir des effets sur l'environnement. Et déjà, le China Daily en a répertorié certains, comme on le voit dans les slides, pour la mine, en fait, dans cette mine d'Obo en Chine. Donc, ça, c'est un grand problème aussi auquel la transition énergétique fera face, parce qu'il devrait, en fait, avoir des programmes de gestion efficace de l'environnement, parce que la demande en métal sera grande, étant donné que la production de la quantité de déchets miniers lors du traitement, lors de l'extraction des minéraux, que ce soit dans les traitements miniers ou bien dans les traitements métallurgiques, il faudrait en fait qu'il y ait cette approche bien précise. Et c'est ce qui fait à ce que l'on puisse parler du responsable, donc responsible mining, c'est-à-dire des mining responsables dans cette chaîne de valeur des métaux critiques. Il doit avoir un certain mining, responsible mining, à partir des pays qui en extraient. Peut-être l'autre dernier défi qu'il faut savoir, c'est par rapport, pour ce qui est de la biomasse, l'utilisation de la biomasse, il s'est observé aussi qu'il y a, cela s'accompagne de l'accroissement, de l'augmentation des prix des produits agricoles. Parce que pour la biomasse, on utilise, ce sont par exemple, le maïs, pour faire ce qu'on appelle le biocarburant. Et étant donné que ces industries ont besoin de quantités importantes de maïs, il arrivera que les prix vont augmenter, la quantité va diminuer sur le marché et ça va créer des famines. Donc, ça s'est observé, par exemple, aux États-Unis de 2003 à 2007, où il y avait une certaine rareté des produits tels que le maïs suite à cet épanouissement des industries des biomasses. Et donc, mais aussi la biomasse, lorsqu'il y a la combustion, ça peut accompagner aussi la production de CO2. Donc, ce sont des empreintes environnementales qui peuvent découler malheureusement de la transition écologique. C'est-à-dire, on s'efforce de pouvoir lutter contre l'environnement, mais on devra aussi se mettre dans la tête qu'en faisant cela, nous devons continuer toujours à protéger l'environnement, que ce soit dans l'extraction, que ce soit dans les modes d'utilisation de ces recherches. Donc, en conclusion,
Peut-être si je peux conclure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la transition énergétique et la protection de l'environnement sont intrinsèquement liées, sont tellement liées, parce que la transition énergétique est en sorte un mécanisme de protection de l'environnement. Mais il faut savoir que cette transition énergétique présente des opportunités, beaucoup d'opportunités. C'est le monde de demain qui en dépend, mais aussi il présente quelques défis, c'est-à-dire des défis auxquels on devra faire face. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette transition énergétique, elle nécessite l'implication de tout le monde, de toutes les parties prenantes, au niveau mondial, c'est-à-dire le gouvernement, au niveau régional, mais aussi au niveau national et même au niveau local. Et même nous, les simples citoyens, donc nous devons nous impliquer, nous devons participer activement dans cette transition énergétique et nous devons nous l'approprier. Pas seulement dans notre mode de vie, mais aussi par notre attitude, par notre comportement, dans tout ce que nous faisons. Et nous devons nous approprier de sorte que nous puissions protéger notre planète, parce que nous n'avons pas une autre planète. S'il arrivait que les choses ne marchaient pas, bon, c'est nous tous qui serons en difficulté. Et nos générations aussi seront en difficulté. Donc, ça nécessite en fait l'implication de toutes les parties présentes, chacun selon les responsabilités qui lui sont dévolues. Et il faut savoir que cette transition énergétique, c'est vraiment la solution adaptée si on veut un futur durable, mais un futur aussi qui est sain. Donc, c'est ce que j'avais en fait à dire par rapport à aujourd'hui. Je crois que c'est la fin de nos slides aussi. Merci. Oui, donc c'est une solution adaptée pour un futur durable et sain. Juste deux petites questions avant de clore cette émission. Juste, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer, surtout à nous qui sommes ici au Royaume-Uni, de telle sorte que nous puissions aussi contribuer à la réduction du gaz carbonique? Oui, donc pour vous qui êtes au Royaume-Uni, bon, comme vous le savez déjà, d'ailleurs, le Royaume-Uni est tellement impliqué actuellement dans la transition énergétique. Donc, il faudrait, par exemple, adopter un certain nombre d'attitudes ou bien de comportements. Je connais, par exemple, l'utilisation des véhicules. Je sais que beaucoup de membres de notre communauté congolaise préfèrent avoir des véhicules. Mais si il arrive que le véhicule électrique coûte encore cher, nous devons nous débarrasser de nos véhicules diesel, de véhicules à essence, parce que ce sont ce type d'engins qui contribuent à la pollution en grande partie, ainsi qu'au gaz à effet de serre. Donc, nous devons adopter, par exemple, opter pour le cyclisme. Je connais certains compatriotes, par exemple, qui ne prennent plus, en fait, qui n'utilisent plus ces véhicules et qui utilisent les bus, la plupart des bus qui en fait travaillent avec l'énergie électrique, ou bien les trains. Et donc, il y a aussi, à part ça, nous devons penser, la communauté doit penser dans leur vie quotidienne, à adopter ce qu'on appelle l'efficience énergétique. Par exemple, on ne peut pas allumer, faut pas allumer, par exemple, des ampoules en pleine journée, parce que ce n'est pas normal. Il faut aussi réduire la consommation des gaz, réduire la consommation de l'électricité. Et cela va de soi avec ce qu'on, donc la manière, ça va de soi avec les changements de comportement, donc les changements de comportement dans l'utilisation quotidienne de l'énergie. Donc il y a un certain moyen de pouvoir réduire la consommation d'énergie. Mais aussi, il y a pour la communauté, elle peut aussi s'est lancé dans cette transition énergétique en cherchant toujours, en adoptant, en achetant des outils qui accompagnent, qui sont en fait, qui accompagnent cette transition énergétique. Il y a plein d'outils qui accompagnent cette transition énergétique. Il y a des types de fours qui sont appropriés, il y a des types des appareils ménagers qui sont appropriés et qui font en sorte qu'ils puissent avoir une certaine diminution de l'énergie. Et donc, ce sont des attitudes simples du point de vue comportemental qu'il faut juste adopter pour arriver à pouvoir réaliser ou bien participer d'une manière ou d'une autre à cette transition écologique. Donc, ça ne demande pas d'investir des millions comme Elon Musk dans Tesla ou bien de faire ceci ou cela, mais ce sont des petites choses
qu'il faut faire et qui nécessite à ce qui font en sorte que nous ne puissions pas contribuer à la destruction de l'environnement. Merci pour cette réponse. Je voudrais juste poser une question par rapport à ce que vous faites. Vous avez parlé des mini-solaires que vous êtes en train d'installer dans des villages. Comment ça se passe? C'est pour distribuer dans des maisons et combien ça peut coûter? Ça aussi, ça peut intéresser nous qui sommes ici. Oui, en fait, ce qu'il faut faire, en ce qui concerne les mini-solaires que la société Tech Power est en train d'implémenter, ce sont des kits, donc des kits qui ne coûtent pas énormément et dont les gens s'abonnent, ils s'abonnent en fait à la maison et ils arrivent en fait à pouvoir rembourser, et donc ils rembourser les frais des kits dans une certaine durée. Donc, c'est des mini-centrales surtout qui sont installées dans les milieux ruraux. Parce que vous savez, les milieux ruraux, il y a par exemple au Congo, ici, il n'y a pas la SNEL qui arrive dans ces endroits-là. Et donc, ces petits panneaux, ils aident en fait à alimenter la maison, à éclairer la maison. Ça les aide à pouvoir allumer des télévisions, allumer des petits réchauds qui ne consomment pas beaucoup, des petits frigos aussi qui sont adaptés au solaire. Et ça fait à ce qu'à chacun, à la fin de chaque mois, ils doivent en fait payer, ils doivent payer l'argent pour rembourser les équipements qui ont été installés, mais aussi une certaine cotisation ou bien un certain paiement mensuel qui permet les frais de fonctionnement parce que les ingénieurs doivent être motivés. Ils doivent être payés pour assurer la maintenance des équipements. C'est-à-dire qu'en CIA, il y a des produits, des équipements qui ont des petits problèmes techniques. Les ingénieurs doivent payer. Ça, c'est ce qui concerne en fait les paiements mensuels. Mais ce sont des exorbitants. Et c'était une expérience en fait qui n'est pas, ce n'est pas nous, ce n'est pas Tech Power qui est la première société à le faire. Il y a aussi un certain nombre d'autres sociétés. Même j'ai vu une société, il y a même une société britannique, Bbox, qui travaille dans ce sens, mais ils sont plus dans le domaine de la distribution des kits, notamment des panneaux. Et donc, notre approche, c'est de viser le milieu ruraux, parce que ce sont des milieux qui sont dépourvus, tandis que d'autres structures misent plus les milieux en fait, urbains. Et ça fait à ce que nous donnons en fait, l'avantage à ces populations qui sont lésées, à ces populations qui n'ont pas en fait de grands moyens pour participer en fait à leur électrification dans les milieux ruraux. Vraiment, je ne peux que vous dire merci. Merci pour cette bonne présentation qui a été vraiment très simple à comprendre. Et je pense que tout le monde a été émulé par cette présentation. Et nous disons merci à notre sponsor, The National Lottery Community Fund. Et nous disons merci à vous tous qui nous suivez. Donc, restez branchés sur notre chaîne YouTube. Veuillez vous abonner, veuillez partager UKFC TV. Suivez-nous également sur Facebook pour voir les genres d'activités que nous présentons à la communauté. D'ici là, nous allons commencer les cours du sol. Entry 1, 2, 3, on va vraiment les faire en ligne partout où vous êtes. Si vous voulez vous inscrire, venez nous contacter. Aussi, nous continuons avec tout ce que nous offrons à la communauté comme aide. Si vous avez besoin de réchaud, vous avez besoin de frigo, vous avez un problème de bénéfices, un problème de maison, de housing, d'éducation. Donc, nous sommes là à votre disposition pour vous aider. Une fois de plus, je dis merci à l'ingénieur Guy Chungu. Donc, à la prochaine, nous ne manquerons pas à vous inviter encore puisque nous avons constaté que ce que vous nous avez réservé aujourd'hui a été à l'auteur pour une bonne compréhension à tous les niveaux. Merci beaucoup et bonne soirée. Et je profite aussi de souhaiter une bonne et des bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et bonne année à tous nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Je beaucoup. serai la tête, yes, jamais la queue. Africa French speaking community. Et ça, pour aider, bas, tout le monde a permis. Oh, il y a Papa Jacques.
Les aider parce que tout n'a pas à Birmingham. Ils ont un problème et un bénéfique. Ils ont un problème en Dan. Ils ont un problème en Mukanda. Afrique, French speaking community. Ils ont aidé depuis nous, ça va parler. Ils ont aidé depuis nous, comme il y a bénéfique. Ils ont aidé depuis nous, comme il y a Dan. Ils ont aidé depuis nous, comme il y a surtout une Mukanda d'infraction au Bimba. Il y a un mot pour eux. Oh, pour nous, on a Mukanda. Oui, en Afrique, French speaking community. Oui, papa Jacques, na Birmingham. Oui, à coup. Oui, à. Pour la Narobo, quand on a Facebook, na Bango. UKSA TV. Na Kata Facebook, na Bango, pour la Bango, pour Kotikuna, pour Kota, pour Tuna, pour Beng, Sayopi, na Biro, pour Sololi, pour Sale, nos solutions. Nous sommes tous à Makambo, Italie, administration, et Mokoye. La Birmingham. Allez, on va dire.